Go Remote Radio Week 2021. Live on connectonair.com and remoteradioweek.org. Connect on Air. Remote Radio Week proposes distinct programs in English, French, Spanish and Arabic, featuring experts, examples. UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Live on connectonair.com and remote-radio-week.org. La Remote Radio Week se poursuit durant 5 jours en 4 langues différentes avec 5 thématiques différentes. À chaque jour, cette thématique, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, nous intéresserons plus exactement au studio avec de nombreux invités autour d'une interrogation cette fois-ci. Comment équiper votre home studio pour exploiter sur une radio FM professionnelle ou un podcast un produit de qualité? Alors, des invités vont tenter de répondre à cette question centrale et à d'autres qu'on va certainement mettre en exergue. Je voudrais saluer d'abord de la Fondation Hirondelle, Denis Boisdevet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Valentin Alfano de Week98.5. Alors, j'ai écouté votre station, je vous en parlerai tout à l'heure si on a le temps. Vous êtes basé à Halifax, la station est basée à Halifax. Alors, vous êtes sur un îlot francophone entouré d'une mer anglophone. C'est un peu ça que j'ai constaté. C'est exactement ça. Merci beaucoup de l'accueil. On va en parler, je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis, Sidi Mohamed Diko, vous êtes technicien pour Radio France Internationale, qui dépend de la structure France Média Monde, et vous êtes basé au Mali, j'imagine probablement à Bamako, qui de mémoire doit être la capitale de ce pays, me semble-t-il. Exactement, je suis à Bamako, je suis technicien pour le compte de RFI pour France Média Monde aussi. Bon, bah écoutez, tant que vous avez la parole, Sidi, gardez-la, n'hésitez pas à la garder. À quelle problématique vous êtes confronté? Vous avez été confronté depuis le début de la crise sanitaire notamment. Qu'est-ce que ça évoque pour vous si vous deviez donner une définition rapide de ce qu'est un home studio? Qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les 3-4 outils qui s'imbriquent les uns dans les autres pour créer cette entité, ce que l'on appelle le home studio? C'est quoi pour vous, Sidi? Bon, pour moi, un home studio, c'est déjà un endroit où on se fait enregistrer, un endroit où on s'exprime avec les idées qu'on a, un endroit où on colmate nos idées et puis proposer ça au public. Et de l'autre côté, home studio, c'est une console, ça soit une console, une carte son, un ordinateur, un micro. Donc ça, c'est le B.A.B.A. vraiment pour avoir un home studio. Bien sûr, dans un environnement qui réverbère moins que là où je suis. D'accord. Donc, une petite mixette, un câble XLR, un micro, une carte son, bien entendu. Peut-être en périphérique, un enregistreur, un autre micro pour récupérer des sons. Voilà, un insert, peut-être, éventuellement. Mais c'est la définition que vous en donneriez. Denis Boisdevet, c'est quoi pour vous la définition d'un home studio? Alors, pour nous, c'est un tout petit peu différent, puisque nous, on est une fondation qui créons des radios en Afrique. Et on crée un ensemble de radios et puis on vient beaucoup s'appuyer sur les radios partenaires. Et c'est plutôt là où moi, j'ai cette vision-là. C'est surtout sur l'appui qu'on veut amener à cette petite radio partenaire qui vont, elle, nous rediffuser nos programmes et qui, à elle, on apporte beaucoup de soutien, que ce soit en termes de matériel ou en termes de formation et puis qui diffuse notre contenu in fine. Ouais. Vous nous direz tout à l'heure, j'imagine, Denis, que on peut, grâce à un smartphone, créer une sorte de home studio. Vous nous direz ce que vous pensez de ce postulat. Valentin Alfano à Halifax, donc alors on traverse l'Atlantique. Là, pour le coup, qu'est-ce que c'est pour vous un home studio, Valentin? Alors, la première vision qu'on pouvait avoir, c'était justement ça. C'était l'idée du micro, de la carte son, de l'ordinateur, d'avoir un environnement qui réverbère pas trop. Alors, effectivement, ça oblige à mettre un petit peu des tapis partout, d'avoir un canapé en plus ou même un matelas gonflable qu'on gonfle juste pour les émissions pour être sûr que ça réverbère pas trop. Donc, c'est quelque chose de très... ça peut être minimaliste, mais en plus, on a vu une évolution récemment avec des plateformes comme Twitch, avec la pandémie, avec le fait d'arriver à devoir faire... produire du contenu depuis chez soi, mais du contenu de qualité professionnelle, on vient à s'équiper d'autres choses. Donc voilà, il y a aussi, pour moi, je commence à voir arriver l'émergence des caméras, notamment dans les home studios. Je sais qu'on parle de radio, mais ça commence à prendre une petite importance, le fait d'être bien représenté. Parce que quand on est journaliste sur le terrain, on doit pouvoir intervenir des fois dans plusieurs médias, surtout dans le milieu communautaire, où on est des fois le seul journaliste francophone de la ville entière ou de la région. Donc il y a aussi cette dimension qui rentre en ligne de compte.
Denis, vous proposez des solutions clés en main. J'ai envie de dire que à chaque radio, sa solution. Alors, une solution clé en main pour vous, c'est quoi? C'est un micro Shure, un SM7, une console, un enregistreur numérique, un PC portable, un encodeur. C'est tout ça. Ouais. C'est tout ça. C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que, alors, je reprends un peu notre système à nous. Hein. C'est-à-dire que nous, on vient créer un studio où on va produire du contenu qu'on va faire diffuser dans tous ces pays et dans toutes les régions de ces pays qui sont des fois difficiles d'accès. Et donc, nous, oui, en premier lieu, effectivement, c'est un ordinateur, une petite console de production de broadcast, un ordinateur, évidemment, des micros, des enregistreurs numériques, des téléphones portables pour pouvoir faire du reportage et puis de la connectique. Et puis, voilà. Et puis après, à partir de là, les gros enjeux pour nous et pour l'Afrique en général, ça va être c'est des enjeux qui sont un peu différents des enjeux juste de production, c'est des enjeux de diffusion et d'énergie plutôt. Ouais. Alors on parlera justement des outils qui peuvent être moins énergivores ou en tous les cas des techniques solaires pour alimenter justement ces différents outils. Je voudrais saluer Brian Calmel qui a été rebaptisé Nicolas, je ne sais pas si vous le voyez, il travaille. Bonjour. Oui, en fait, bonjour. En fait, c'est mon vrai prénom. Brian, c'est mon nom de radio. Je ne savais pas. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors, moi, je l'appelle Brian depuis combien 10-15 ans, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Même ma mère, parfois, m'appelle Brian. Donc, il n'y a aucun problème. Brian et Nicolas, c'est juste que j'ai marqué Nicolas par habitude, mais Brian, ça me va très bien. Bon, bah, comme tu veux. Alors Brian, donc, dirige Graphite FM. Un, c'est quoi pour toi un home studio? Deux mots sur ce qui a été fait dans vos studios de Compiègne, parce que tout récemment, vous avez tout réaménagé avec des solutions techniques nouvelles et une architecture nouvelle. Ouais, nous, on est passé de l'analogique au numérique. On a pris une console DHD, donc console allemande. On a un peu refait notre architecture parce qu'on va avoir des nouvelles fréquences, donc on réfléchit un petit peu à savoir ce qu'on va faire dans l'avenir. On a également du coup en home studio avec le confinement, bah, évidemment il a fallu faire des émissions depuis la maison. On faisait déjà des émissions en direct depuis des salles de spectacle, des lieux de concert, etc. Donc là il a fallu trouver des choses un petit peu plus faciles. Aujourd'hui les marques nous aident quand même pas mal parce qu'il y a des choses qui sont faites. Là j'ai la Rode Broadcaster là, qui marche plutôt bien, qui est assez facile d'installation avec tout qui est intégré. On a mis en place des petits codecs maison avec des Raspberry Pi, donc ça coûte 30 euros un Raspberry Pi. En gros, on a un serveur de stream qui est à distance dans un cloud et le Raspberry permet à un peu n'importe qui de pouvoir se connecter à ce serveur de stream et nous on récupère le flux au studio et on le renvoie. Donc ça permet d'avoir un son correct. Pas trop de. Donc là, en fait, c'est un truc très simple, un Raspberry Pi à 30 euros et puis une carte son à 30 euros. Là, c'est une petite Behringer à 30 balles qui marche très, très bien. Voilà. Le but, nous, on marche aussi avec des bénévoles, des gens où c'est pas forcément le métier de la technique. Moi, le but, c'est qu'ils se focalisent sur la réalisation de leur émission, sur la qualité de l'antenne. Donc la technique, c'est un peu secondaire. Voilà. Le but, c'est que n'importe qui puisse partir avec son petit matériel, se brancher, qu'il n'y ait pas trop de galères, comme par exemple là pour me connecter actuellement, j'ai pu tout à l'heure. Voilà. Il faut qu'ils se concentrent au maximum sur leur émission pour faire des émissions de qualité et que la technique, ça ne soit pas un frein. Et notamment pour avoir des nouveaux. Parce que quand ils arrivaient, avant on avait une Rami 2000, RP2000, ils arrivaient, ils voyaient plein de boutons, ils disaient mais c'est une folie et tout. En fait, il y a 4 boutons qui servent vraiment pour l'émission. Là, avec la DHD, c'est beaucoup plus simple, c'est un truc tactile, donc en fait, ils ne voient pas les réglages qu'on fait derrière. Il y a un système de reset. Ouais. J'ai vu derrière toi l'automate de programmation, c'est-à-dire ce qui m'autorise les programmes de la radio, c'est Rivendell, j'ai vu. Ouais, c'est un logiciel gratuit, ça aussi. Ouais, c'est un logiciel gratuit. En fait, on est beaucoup sur des logiciels libres à la radio. On utilise du coup Linux. On utilise Reaper en termes de montage. On utilise aussi Mixcloud. Mixbus. Voilà. Donc Rivendell, c'est vraiment très très bien. Par contre, il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît à l'intérieur, parce que c'est vraiment une très très grosse machine. Il y a quelques lignes de code à taper. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup des scripts. Donc de toute façon, les économies qu'on va faire en passant pas par un prestataire, on va le payer par une compétence en interne. Nous, la grosse difficulté, c'est que si Léo, aujourd'hui, notre directeur technique, part ailleurs, bah, on est un peu en galère. Il a quand même fait des wikis internes. Mais il ne faut pas qu'il disparaisse, il ne faut pas qu'il se fasse écraser par un bus demain, sinon on sera vite en galère et puis là on appellera un prestateur pour qu'il nous installe un logiciel de diff à 10 000 euros. Quoi. Sidi et Mohamed Diko, quel est votre rôle quotidien au sein d'RFI? Donc on va rester sur la ligne du home studio. Comment vous intervenez, vous?
En fait, moi, j'interviens déjà, il y a certains endroits où j'interviens à distance, via les téléphones, où ce n'est pas facile de prendre la main. Et sinon, il y a certaines machines où je peux étant ici, prendre la main à distance. Ça, c'est surtout dans les capitales régionales. Sinon, comme il a dit aussi, nous aussi, on pousse beaucoup vraiment nos partenaires à aller vers le système Linux. Mais c'est difficile pour les gens parce que là, c'est un système d'exploitation nouveau pour les gens. Mais donc, du coup, on a remodulé en fait en leur proposant des Audacity pour faire du montage qu'on ne paye pas, qu'on télécharge gratuitement. Et aussi pour ceux qui ont des ressources, quand j'ai des ressources qui ont des ordinateurs qui répondent, au lieu de les vendre, nous on installe surtout comme on appelle du Zara, qui est simple à utiliser, ou bien du Radio DJ. Ça, moi, j'ai fait pas mal de tests avec Radio DJ qui marche bien aussi pour nos partenaires. Donc, et après, la côté technique, c'est surtout voilà, les connectiques, comme il a dit, des fois, les départs vers l'antenne, c'est juste la sortie générale qui a un souci, soit par à cause du, comme on appelle, du mauvais temps, quelques pluies, en fait, qui rentrent dans les câbles. Il faut juste les enlever. Mais donc, du coup, ils ont des sérieux problèmes. Ah, on ne diffuse pas, le son sort de la console, mais ça n'attaque pas l'émetteur. Voilà. Donc, mon quotidien, c'est ça, en fait. Bon, c'est bien, c'est passionnant. C'est toute la journée avec des radios qui sont à peu près à 6000 bornes, et de l'autre côté du Mali. Voilà. C'est un grand pays, le Mali. C'est un grand pays. Voilà. Bon, un autre grand pays, s'il dit, c'est le Canada, hein, forcément, avec cette enclave francophone. Alors, à Halifax, Valentin Alfano, vous travaillez avec quels outils, vous, à domicile? Alors, justement, là, ça va être intéressant. Nous, on est une radio acadienne. L'Acadie, c'est un peuple cousin des Français qui a été oublié par la France, on va dire. Je ne vais pas refaire l'histoire ici parce que je suis journaliste, je pourrais en parler des heures. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, les communautés francophones sont vraiment isolées, chacune dans des centres urbains, que ce soit entre Saint-Jean ou Nouveau-Brunswick, Fredericton, Halifax en Nouvelle-Écosse. Et moi, en tant que journaliste, je couvre un petit peu toute la Nouvelle-Écosse, mais je dois pouvoir prendre la main sur les radios au Nouveau-Brunswick quand je fais des bulletins en direct avec eux depuis ma maison. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est on a branché un serveur Discord sur chacune de ces stations et avec TeamViewer. Alors, on utilise TeamViewer d'un côté, Discord de l'autre. Et puis, nous aussi, des petites boîtes, on a aussi... attendez, j'ai mon petit mélangeur. Du coup, on a aussi des petits des cartes son de ce genre-là qui me permettent, moi, de faire mes envois directement d'entrevues que j'ai faites lorsque j'ai enregistré avec mon téléphone, par exemple directement dans mon Cubase ou dans mon Reaper, et que je peux envoyer directement en direct via le serveur Discord. Il me suffit d'aller dans TeamViewer, je rentre, et puis je connecte mon Discord sur l'émission en onde, et je prends la main avec l'animateur qui lui-même est chez lui, et on permet de... Parce qu'il y a une problématique, c'est que nos radios communautaires sont souvent dans des écoles, et pendant la pandémie de Covid-19, ces écoles étaient fermées. Mais nous, il fallait qu'on continue à émettre. Du coup, on a installé ces ordinateurs-là de manière automatisée et on y accédait avec TeamViewer dans toutes ces écoles-là et on prenait la main à distance avec des serveurs Discord, ce qui nous permettait de continuer à faire du live depuis ces écoles-là, mais chacun depuis chez soi. Mais ça a obligé à avoir une certaine rigueur depuis chez soi puisque bon son égale bon micro, égale petite carte son, égale... Ça a demandé, et puis au début, bien sûr, comme on travaille aussi avec des bénévoles qui ont dû préprogrammer leurs enregistrements depuis chez eux, il a fallu aussi un petit peu se former tous à... des notions de base de l'acoustique, on va dire. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais du coup, maintenant, on a un système qui, au-delà de la pandémie de Covid-19, nous permet d'être très réactifs en fonction des crises. Par exemple, je suis en reportage dans la rue, avec mon téléphone, je suis sur Discord, et l'animateur peut me prendre dans la rue et je suis directement sur le terrain. On a essayé de créer des situations comme ça, mais on n'a pas les mêmes problématiques d'infrastructure. Ici, on est assez bien couvert en 4G, on commence à être couvert en 5G, à la maison, on a de la fibre, donc voilà, on n'a pas les mêmes infrastructures partout dans le monde. En tout cas, chez nous, ça nous permet de faire ça, de prendre la main depuis n'importe où. C'est pas Denis qui va nous dire le contraire. Denis, est-ce que je peux faire de la radio avec un smartphone, enregistreur numérique, Tascam, Nagra, Zoom? Comment je branche tout ça et comment je le relie à mon smartphone si j'ai envie d'envoyer un reportage donc depuis mon domicile? Alors voilà, exactement. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant cette pandémie en Afrique pour pouvoir continuer à faire du reportage. Étant donné que nous, on fait beaucoup de production de contenu, de journaux et d'interviews, etc., on a mis en place avec les équipements qu'on avait sur place, on a fait un groupe WhatsApp avec tous nos techniciens, on s'est regroupés et puis en quelques heures,
Bah, j'avais des zooms H2 d'un côté, des zooms H4 d'un autre côté, des Tascam, des petits Tascam DR5. On avait des petits smartphones et puis on prend un double jack, un mini jack, on le met dans l'enregistreur numérique, on le branche dans le smartphone, on met un XLR à l'autre bout avec un petit micro et puis l'un dans l'autre, on arrive à faire une interview par téléphone, produire notre contenu. Produire notre contenu et puis le renvoyer par WhatsApp au producteur, au technicien, au studio ou chez lui. Et puis comme ça, on a réussi à continuer à créer nos contenus rapidement et ouais. De façon assez rapide et didacticielle. Voilà, on ouais, c'est ce qu'on comme ça. C'est ce qu'on voit de. Ouais, voilà. C'est vos photos d'ailleurs qui ont été prises. Oui, c'est les photos des techniciens qui se sont échangés pour dire bah voilà, moi j'ai branché comme ça, regarde, tu te fais ton câble, tu te fais un Y et puis tu le branches en haut et ça rentre, là tu peux remettre le casque. Bon, c'est du bricolage, mais en quelques heures, on a pu continuer à produire nos contenus comme ça. Bon, la problématique, Denis, c'est la problématique de l'énergie, si j'ai bien compris. Voilà. Il y a une couverture 3G qui n'est pas forcément assurée. De façon linéaire, si j'ose dire. Et puis, il y a la problématique électrique. Alors, c'est la raison pour laquelle vous apportez également un soutien pour essayer de trouver des solutions quant à l'alimentation de certains appareils. Vous faites comment ? Alors, effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes optiques. J'aimerais bien faire du Discord et puis du TeamViewer directement partout. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. Nous, le numérique, on y est hein, sur la production, mais on peut pas se fier à ça. Il y a deux problématiques majeures, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'énergie. Donc, on a des gros problèmes d'énergie, de coupure. Alors, on est toujours… Tous nos studios sont comment dire, ils sont branchés aussi sur des générateurs hein, pour que ça prenne le relais, mais ça suffit pas forcément. Et puis, ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est sur nos émetteurs en région beaucoup, et on déploie du solaire avec des batteries qui prennent le relais, voire qui maintenant sont l'énergie principale de ces émetteurs, donc qui chargent, les panneaux solaires chargent toute la journée, les batteries prennent le relais le soir, et en fait, le groupe devient le secours du solaire maintenant. On essaie de beaucoup mettre ça en place. L'Afrique, il y a beaucoup de soleil. Donc, c'est aussi parce qu'on est dans ces pays-là qui permettent ça. Et ouais. Puis, pour la problématique du réseau en tant que tel, ben ça, c'est beaucoup de bricolage. On va pouvoir envoyer de temps en temps des émissions par WhatsApp parce qu'on n'a pas de réseau. Quand on a une fibre, de temps en temps, maintenant, il y a des pays où il y a de la fibre. On arrive à mettre de la fibre, mais ça, c'est dans nos quartiers généraux, j'ai envie de dire, dans le studio propre en ville. Mais en région, on n'a pas. Donc, c'est… Alors nous, on a une grosse infrastructure, on existe depuis 25 ans, donc on a des relais satellites où on passe par, on leur met des boîtiers de TNT qui récupèrent le signal audio et puis qui sera rediffusé dans les émetteurs derrière. C'est pas forcément le cas sur du home studio. Mais oui, on utilise tous les moyens à notre disposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle fixe, il faut selon s'adapter au cas par cas. Et alors à Compiègne, est-ce qu'on peut… prendre connaissance des travaux de la Fondation Hirondelle, peut-être s'en inspirer aussi, non ? Parce que vous êtes un peu bricolo quand même, faut être curieux, hein, j'ai l'impression d'abord. C'est ça. Mais en fait, c'est une vraie question, parce que là, aujourd'hui, on a une pandémie en Europe, enfin dans le monde entier, une pandémie de maladies, mais c'est vrai que demain, on peut avoir des problèmes de catastrophes naturelles, on peut avoir, comme il y a pu avoir dans la vallée de la Roya ou ce genre de choses, il va falloir aussi que les radios associatives, radios communautaires puissent être relais. Beaucoup plus rapide aussi que ce que l'État peut produire, par exemple. Donc ça, c'est aussi une question d'être autonome en énergie. C'est aussi une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui en radio associative. C'est vrai que nous, aujourd'hui, maintenant, on a Internet, on est plutôt à l'aise là-dessus, on a du courant en continu. Mais il faudrait réfléchir aussi à pouvoir, pourquoi pas, avoir des panneaux solaires, des éoliennes. Alors nous, dans l'Oise, on est plus sur de la pluie que du soleil, mais il faut quand même qu'on puisse également réfléchir à ça, c'est vrai. Ouais. On repart du côté d'Halifax avec Valentin. Quels outils vous conseilleriez aux radios pour justement continuer à travailler en mode dégradé depuis chez soi, par exemple ? Alors, moi, j'ai vraiment pris le pas sur les petites cartes son à deux entrées. C'est vraiment devenu, moi, mon petit dada. Je sais qu'on n'a pas les mêmes problématiques autour du monde, mais en tout cas, ces cartes son-là... Enfin, attendez, je vais prendre mon petit câblage, là. Mais vous êtes, Valentin, vous êtes chez vous là ou vous êtes à la radio ?
ça me permet justement, bah, on est dans des home studios, donc on a des câbles partout, hein, ça paraît logique. Ça me permet, moi, de brancher justement mon téléphone directement avec, dans ma carte son. Pour D'accord, donc justement... là, vous êtes chez vous, Valentin, vous n'êtes pas à la radio. Oui, je suis chez moi, comme mon travail me permet de le faire et l'exige, en fait, en temps de pandémie. On ne peut pas être plusieurs au studio, encore à Halifax, donc le but, c'est vraiment d'avoir ça. Donc, je branche directement mon téléphone depuis dans la petite carte son que je vous ai montrée tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a un petit peu ce type-là à deux entrées qui me permet en même temps, quand je suis branché sur l'ordinateur, d'entrer en onde directement avec mon interlocuteur par téléphone. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions en onde directement. Je me connecte sur la station. Mais au niveau du hardware, vraiment, ces petites cartes son à deux entrées, c'est vraiment devenu mon gros dada. Voilà. On utilise les mêmes dans nos studios aussi. Hein. On a des Focusrite pareil. Et puis nous, pour l'encodage, on utilise des Barrix InStreamer et Xtreamer. On a exactement les mêmes logiciels que Sidi au Mali. Hein. On utilise beaucoup Zara Radio parce que c'est gratuit, c'est performant et puis ça fonctionne assez bien. On utilise beaucoup Audacity pour le montage parce que c'est simple, efficace, c'est gratuit et qu'on n'a pas besoin des logiciels payants qui coûtent une fortune. Nous, on va beaucoup investir sur les personnels dans nos radios et dans les formations, aussi bien dans nos radios communautaires, on va apporter un soutien en formation, en matériel, que dans nos propres studios où on forme les gens, quoi. Et alors, combien ça coûte la configuration, Valentin, que vous nous avez montré au doigt mouillé, hein, en dollars, par exemple? Alors, j'ai parlé en dollars canadiens. Ouais. Non. Si on veut un micro, bon là, j'ai un SM7B, mais je pourrais très bien avoir un micro de moindre qualité qui fonctionnerait tout aussi bien. On est autour de 400 dollars, je dirais, pour l'ensemble, entre le câble, la petite carte son et le micro. Voilà, en dollars canadiens, ça fait 250 euros, je dirais à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Denis, vous avez un commentaire à faire sur le montant d'un home studio, 250 euros et 400 dollars canadiens, ouais, à peu près, ouais. Ouais, alors pour moi, ça c'est un kit de reportage plus qu'un home studio. C'est-à-dire que ça va être un petit kit que je vais donner à des journalistes pour faire du reportage. Un enregistreur numérique, un casque, une carte son, enfin une carte SD, tout ce qui va avec. Moi, pour un mini studio, j'intègre l'ordinateur avec. Donc c'est plutôt, on est plutôt nous autour de 800 euros un home studio, tout compris, parce qu'on met le PC avec. Ouais. Brian, est-ce que la console, alors on va pas parler de la Rami dont tu parlais tout à l'heure, qui était pour le coup très grande et très lourde aussi, donc pour faire du home studio, c'était ou en mobilité, c'était pas facile. Mais est-ce que la console, et je poserai la question à Sidi tout à l'heure, mais est-ce que cette console est toujours d'actualité dans le monde de la radio ou est-ce qu'on peut facilement s'en passer? De quoi, la Rami? Alors la Rami, oui, je pense qu'on doit pouvoir s'en passer, mais la console en règle générale, ou est-ce qu'on a toujours besoin d'une petite mixette quand même? Ouais, nous on est quand même resté sur quelque chose, voilà, d'assez facile. D'accord. Donc ça c'est la Rodecaster Pro. Un peu maintenant, on l'utilise également sur les ateliers avec les. Donc okay. Voilà un petit peu. Ça revient un petit peu. Voilà, elle est très jolie. Après, nous du coup, on est un peu plus sur les tarifs un peu plus élevés. Je pense que un studio home studio avec 4 micros, on est sur alentour de 1200 euros. 1200 euros, c'est ça, ouais. Ok, à Bamako, au Mali, avec Sidi, est-ce que la console, celle que l'on conçoit avec plusieurs curseurs, des boutons partout, ce qu'on appelait jadis les potards, je ne sais pas si on a le qualificatif est resté, mais est-ce que la console de mixage est toujours d'actualité dans les studios, y compris dans les home studios aujourd'hui? Non, mais franchement, maintenant, la console, on a tendance surtout à les laisser, c'est-à-dire qu'au profit des cartes son, ou sinon des consoles en fait, qu'on utilise aussi comme cartes son, comme des consoles qui peuvent prendre du multipiste. Et ici, si on veut vraiment le faire, parce que là, ici et là-bas, il y a une différence parce que tout ce qui coûte 20 euros là-bas coûte à peu près 120 euros ici. Ouais. Donc, on essaye de faire le minimum. Quand j'ai dit, excusez-moi, j'amène cette fois. Pardon, j'ai pas compris, mais il y a quand même quelque chose qui a dû déranger Sidi. J'ai pu comprendre serpent. Non, en fait, je vous montre un peu ce qu'on utilise ici. Ça, c'est le Tascam. Ouais, on a la même aussi. Donc, c'est comme la Focusrite, la Scarlett, ouais. Là, qu'il a montré tout de suite. Et j'utilise ça aussi. Vous voyez, donc, ce qu'il avait montré le premier. Ouais. Donc là, c'est une petite carte son qu'on peut utiliser sur les terrains. Il ne prend pas beaucoup d'énergie aussi. Donc là, dans nos home studios, c'est surtout des petites cartes son comme ça, avec deux entrées, deux sorties. Et une sortie vers l'ordinateur qui nous permet de faire des va-et-vient entre le micro, l'ordinateur, vice-versa. Donc là, on fait nos montages avec ça.
facile à c'est mobile aussi. On peut les amener où on veut. On a deux micros, plus comme on appelle l'ordinateur dans un sac à dos. Et puis, voilà, donc on peut faire une production comme on veut. Mais maintenant, pour le studio en tant que tel, s'il s'agit de faire comme on appelle une table ronde avec trois ou quatre personnes, ça, il faut minimum une console qui a à peu près quatre tranches. Donc là, console envoie ici, et là, on envoie vers l'autre plateau. Je résume, Sidi, il faut que ce soit léger, robuste, léger. Ouais. Facile d'utilisation. Exact. Pas cher. Pas cher, robuste surtout, parce qu'ici, il y a la chaleur et la poussière. Ah oui, donc robuste. Ouais, sinon, ouais, et sur l'Afrique, je dirais plutôt analogique que numérique, que tout numérique. Pour les exactement. Problématiques de poussière, de chaleur, d'entretien. Parce que c'est plus facile à réparer aussi. Absolument, c'est plus facile à réparer. Déjà, c'est réparable comparé à une console numérique, la jolie petite ronde qu'on a vue tout à l'heure. Nous, on utilise beaucoup des XB14 de chez Allen & Niels, qui sont des consoles de broadcast et mi-piste. Ça, c'est costaud. Et puis, s'il y a une tranchée en panne, on l'enlève, on la remplace. Le tout numérique, le problème, c'est qu'une carte mère, une fois qu'elle est morte, il faut l'acheter, il faut la remplacer. Valentin à Halifax, est-ce qu'il y a une différence de qualité entre un programme qui est produit pour le coup dans les locaux de Oui98.5 et Halifax versus un programme qui est produit chez vous ? Non, plus maintenant. Alors ça pouvait être le cas avant au début. Moi je suis arrivé il y a à peu près un an et demi au début de la pandémie, donc il a fallu aussi qu'on s'équipe individuellement. Donc là la radio nous aide bien sûr, moi en tant que journaliste, c'est pour ça que je parlais plus moi de mon kit de terrain, qui est même devenu mon terrain, oui. mon bureau personnel, voilà. Des différences de qualité, j'en vois plus énormément. Au contraire, on commence tous chacun à maîtriser mieux notre environnement, puisqu'on est chez nous, en plus on se l'approprie un peu plus. Donc on prend la peine également de travailler notre acoustique, de travailler... moi j'ai des collègues qui se sont créés une petite chambre sous l'escalier, alors c'est un petit peu devenu les Harry Potter de la radio, où en fait ils enregistrent leur reportage sous l'escalier, précisément avec des matelas, avec... Voilà, ça demande vraiment à comprendre son environnement. Et des fois, on met beaucoup plus d'investissement dans quelque chose qui est aussi chez nous que sur notre lieu de travail qui est un studio de radio. Nous, clairement, les studios de radio sont devenus des lieux communautaires. Quand ils ne sont pas dans les écoles, c'est vraiment devenu des tables de mixage sur lesquelles on peut agir numériquement à distance et qui est connecté à un émetteur. C'est vraiment ça. Et le reste du travail se fait depuis chez soi ou depuis un autre studio, puisqu'on mutualise aussi des ressources entre nos quatre radios. Notre but, c'est d'avoir... On a un endroit qui peut émettre. Et puis, on a aussi la capacité à prendre la main sur les quatre radios en même temps maintenant. Voilà. Du coup, le home studio, il y a la partie matérielle dont on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi l'organisation qui est derrière avec la mise en réseau de plusieurs... Parce que voilà, l'argent reste le nerf de la guerre où qu'on soit autour du monde et que du coup, mutualiser, c'est toujours un avantage pour tout le monde. Donc voilà, mais la qualité en tout cas, c'est nettement améliorée à tous les niveaux, on va dire, à tous les niveaux. On revient en France, on s'arrête à Compiègne chez Brian à Graphite. Il y a vraiment une déperdition en termes de qualité sonore quand on est chez soi, alors sous la cage de l'escalier par exemple, ou dans la cage de l'escalier plutôt, à bidouiller versus si l'on était à la radio. Nous, on invite quand même tous nos animateurs à venir faire les émissions en studio. Déjà, il y a aussi le côté vivant, on rencontre des gens. Voilà, le studio, c'est aussi un endroit où les gens se croisent, où l'information se croise, où ça nous permet de travailler vraiment en commun. Après, là, on a un studio, nous, à 40 000 euros en tout, au final, avec les micros. Donc, c'est pas pareil qu'un studio à 300 euros à la maison. Après, aujourd'hui, on peut quand même faire le taf. C'est ça qui a été intéressant aussi avec la pandémie, c'est que du coup, on a vu que des très grosses radios françaises, sans les citer, les RTL, etc., ont pu travailler chez eux avec les mêmes problématiques qu'on peut avoir en radio associative. En fait, ils ont redécouvert un petit peu ce que c'était la radio du bidouillage et qu'il n'y avait pas une équipe de 50 personnes pour vous suivre, pour lire vos livres, quand vous faites des interviews. Voilà, nous, c'est le quotidien, c'est notre quotidien, c'est la bidouille, peu de moyens, trouver des solutions pas chères en faisant un programme de qualité pour que les auditeurs puissent continuer à nous écouter et puis qu'on puisse également gagner des auditeurs. Quoi. Ça professionnalise le média radio qui est quand même un média de bénévoles et un média associatif ou communautaire pour chez nous. Et on n'est que deux salariés, nous. Ouais, pour Brian, mieux vaut être en studio. En revanche, à Bamako, au Mali, Sidi, ce n'est pas facile parce que le pays est très, très grand. Tu nous disais tout à l'heure que des fois, il faut faire plusieurs milliers de kilomètres avant de rencontrer les personnes qui gèrent une radio. Donc là, forcément, on ne peut pas faire l'aller-retour dans une journée, bien entendu. Donc, d'où l'utilité, pour le coup, du home studio dans ce cas-là. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a cette déperdition dont on parlait
il y a quelques instants avec Valentin et Brian. Comme il l'a dit, nous, on ne travaille pas comme ça ici, mais j'ai travaillé dans des groupes dans lesquels on a déployé des systèmes, comme Valentin disait tout de suite, mais ça, c'est, comment on appelle, c'est des telos qu'on avait payés, des codecs IP. Ouais, donc, on a mis ici, c'est, je parle de la radio de la MINUSMA, Mikado, en ce temps, j'étais là-bas. Donc, on a payé ces telos, en fait, on a mis un maître, on garde au studio à Bamako. Et les autres ont été déployés un peu à Kidal, à Gao, à Menaka. Donc, on avait la possibilité, en fait, de faire des émissions à peu près à 1600 km, l'un ou l'autre. Donc là, c'est du matériel qui coûte cher, mais vraiment, il faut l'ONU ou bien la Fondation Hirondelle pour financer des trucs comme ça. Donc, mais maintenant, pour faire des émissions à distance ici, nous, on a tendance plutôt soit à faire de l'insert téléphonique directement. Mm-hmm. Oui, beaucoup. Ou bien, ça y est, que passer par WhatsApp là, dans des endroits où on a du projet. Donc là, on fait ça. Donc, le WhatsApp aussi, on a tendance à grouper. Quand je dis grouper, par exemple, si je dois, comment on appelle, mon présentateur a besoin de quelqu'un qui est à Gao, l'autre à Kidal, l'autre à Meneka, si la connexion passe, je vais les grouper autour, c'est-à-dire qu'il y a un seul truc de communication sur WhatsApp, et là, je donne une tranche de la console. Mais là, c'est au technicien de veiller vraiment au gré à chaque fois couper le micro. Voilà. Donc là, on fait avec les moyens de bord. Mais vraiment, mettre un système, par exemple, comme récemment, ce qu'on a déployé à Dakar pour RFI, où on était en confinement, il y avait juste le présentateur et le TCL qui étaient en studio. Tous les autres étaient à la maison. Donc ça, on a fait avec des Uscoop. Donc, c'est pas le budget du Malien lambda ne peut pas lui permettre de payer des trucs comme ça. Donc, on va avec la voix IP, on utilise beaucoup de voix IP que de, comme on appelle, de matériel adapté. Dodi Boitevé, quels sont les derniers chantiers que vous avez mis en place en Afrique ou peut-être les prochains qui sont en lien avec cette thématique du home studio? Ben, les prochains gros nous chantiers à l'avenir, c'est le transfert de connaissances sur cette petite radio partenaire qu'on peut de moyens. On s'est aperçu ces dernières années qu'on faisait beaucoup de dotations matérielles, c'est-à-dire qu'on leur apportait un petit kit de radio pour qu'ils puissent produire un émetteur, 4-5 micros, une console, un ordinateur, quelques logiciels. Et puis, en revenant une ou deux années après, on s'aperçoit que ces matériels sont restés dans les cartons parce qu'ils n'avaient pas à s'en servir, en fait. Et donc, l'idée maintenant, notre approche, c'est de beaucoup travailler en fait sur la formation à ces matériels. Et pour apporter, en fait, plutôt qu'apporter du matériel qu'on va standardiser, c'est plutôt de les former au bon matériel pour qu'ils puissent s'en servir facilement. On partait comme acquis qui savait s'en servir, et puis finalement on s'aperçoit que c'est un peu la problématique où on voit tous ces boutons et puis ils ont peur quand ils les voient. Ouais. C'est ça en fait, c'est leur apporter au-delà du matériel les formations et l'accompagnement qui va avec. Ouais. On a effleuré le sujet, mais effectivement, quand on disait qu'il fallait des outils qui étaient légers, robustes, absolument, et aussi faciles d'utilisation, faciles de prendre en main, parce que la quasi-totalité des fonctionnalités peut parfois faire peur à l'utilisateur potentiel, on est bien d'accord. Absolument. Hein. Je rebondis sur l'ouverture vers Linux et les systèmes libres. Hein. J'aimerais beaucoup passer sur du Linux, mais Linux, c'est extrêmement compliqué si on n'est pas déjà un bon informaticien. Ouais. Donc, ils arrivent maintenant, ils connaissent bien Windows. Alors, pour l'instant, nous, on colle à Windows et on met du logiciel gratuit dessus. Linux, ça serait trop compliqué, il faudrait des IT partout, c'est ingérable pour nous. En fait, Linux, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que il faut se reformater dans une autre. Nous, quand on l'a installé à la radio, pareil, j'étais un peu perdu, on était sur Windows avant, je travaillais sur Acid Pro, donc il a fallu que je prenne des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, c'est quand je repasse sur un Windows où je suis perdu, mais c'est pareil pour un utilisateur sur Mac qui arrive sur un Linux ou sur un. C'est juste qu'on a tellement eu l'habitude depuis l'école, etc., à travailler avec Windows que ça nous semble facile, mais en fait. En une année, on peut retravailler très facilement sur un Linux. Ouais, mais là, on parle de personnes qui tiennent une petite radio associative au fin fond du Mali. Ils ont un émetteur, un ordinateur. Déjà, l'ordinateur, ils savent l'allumer, cliquer un peu dessus, alors leur faire apprendre un système ou changer de système. On n'est même pas là-dedans, on n'est même pas dans le changement de système. On a déjà appréhendé l'informatique au départ. Et sans être péjoratif du tout, hein, mais c'est vraiment, on va pas se compliquer la vie, on va leur mettre des choses où il faut cliquer, c'est simple. C'est simple et fonctionnel. Linux, exactement. C'est gratuit. Brian, on peut faire tourner, par exemple, un Rivendell dessus, un traitement de texte. Ouais, absolument. Enfin, il y a des versions qui sont payantes aussi, mais c'est libre et participatif également. Donc aussi, il faudrait que toutes les radios communautaires associatives se mettent ensemble pour pouvoir créer
un système d'exploitation uniquement basé pour les radios, ça serait faisable, hein, ça serait carrément avec des choses beaucoup plus simples. Ouais. Il y a peut-être des vraies choses à travailler là-dessus sur l'informatique et les logiciels libres globalement avec des formations communes. Il y a des choses à faire effectivement. Parce que ça c'est une vérité, mais pas partout. Hein. On dépend tous de bénévoles ou d'intervenants. Et nous, je le vois par exemple parmi les bénévoles ici qu'on a dans les différentes radios communautaires. Si on leur annonce un changement de système rapide, ce sera la même problématique partout. Ce sera le cata. Donc, je pense que c'est pas lié géographiquement particulièrement, en fait. Nous, ce serait pareil. Nous, sur les scolaires, on a... Si... Vas-y, Sidi. En fait, nous, ce qu'on est... moi, je suis en train de faire ici à Bamako, c'est surtout, en fait, créer un endroit. En fait, je suis en éducation. On va finir au mois de fin décembre, en principe. En fait, c'est un centre de perfectionnement des acteurs de la radio. En fait, il s'agit de faire, il y a du Windows, il y a du Linux, mais maintenant, en fait, c'est de les amener, comme il l'a si bien dit, on leur dote, il y a pas mal d'ONG, il y a l'UNICEF, l'UNESCO, il y a pas mal d'ONG qui payent du matériel pour ces radios-là. Mais malheureusement, en dehors de l'émetteur et de la console, les enregistreurs numériques, les ordinateurs sont tout le temps fabriqués dans la poussière. Ils ne savent même pas les utiliser, en fait. Même, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà dès le départ, c'est des gens qui n'ont jamais eu de formation de base. Les gens techniques sont plus la radio. Donc, c'est des gens qui viennent parce qu'ils aiment la radio, ils ont, comme on appelle, un type pour ça, et après, ils viennent pour apprendre sur l'État. Donc, maintenant, nous, l'idée pour nous, c'est d'essayer de reformater ces gens, c'est de leur dire que, c'est-à-dire, leur parler de fréquentation, qu'on a, leur parler d'une console, à quoi sert une console, qu'est-ce que c'est qu'un insert téléphonique, à quoi sert, comme on appelle, Audacity, comment mixer, comment faire du mix. Là, c'est des choses qu'il faut apprendre à la personne 10 ou 15 ans après qu'il a commencé de faire la radio. Donc, super. Aujourd'hui, c'est ce problème. Voilà, c'est ce problématique que nous, on a ici, qu'on a vu. Moi, je pars tout le temps sur le terrain, mais franchement, si on écoute, il y a quelques années, en 2015, les productions de ces radios, on ne peut même pas les entendre, en fait. C'est déjà depuis l'enregistrement, tout est saturé. Donc, c'est, voilà, donc, l'idée pour nous, c'est déjà de les amener par une vingtaine, une dizaine de radios. On les prend 3-4 jours, voire une semaine. Et puis maintenant, les déployer sur le terrain avec le même matériel qu'ils ont pour aller vraiment produire. Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, le matériel, quand même, a beaucoup facilité les choses et en qualité du son, hein, globalement. Moi, j'ai une petite astuce par rapport à Audacity, parce que Audacity, c'est vraiment très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué, c'est qu'il y a un système qui est... Enfin, c'est pas un logiciel très facile, très intuitif. On vous conseille, il y a Reaper qui est en... que vous pouvez tester. Ad vitam aeternam, c'est un logiciel normalement qui est en test. À la fin des 30 jours, vous pouvez le retester 30 jours. Sinon, du coup, pareil, il y a Mixbus, c'est la même chose. Mixbus, c'est $50 la licence. Et en fait, moi, je suis tout le temps impressionné par les gens qui montent sur Audacity, parce que quand ils repassent en logiciel de montage plus intuitif, en fait, ils vont gagner en temps, ils vont gagner en qualité, etc. Même pour les scolaires, on travaille souvent avec des scolaires. Aujourd'hui, on les fait travailler sur Reaper. Et on a réussi à faire monter du coup des sessions Reaper sur des clés USB directement. Donc les scolaires, à la fin de la session, parce que dans les écoles françaises, le système des ordinateurs sont souvent obsolètes. Enfin, c'est souvent des vieux ordinateurs. Donc on a fait en sorte que maintenant ils puissent avoir leur session de montage sur une clé USB, ça peut booter sur la clé USB et avoir leur session Reaper, leur rush et également leur petit jingle, etc. Enfin, ils peuvent repartir avec le matériel. Donc le conseil que je vous donne, c'est essayer de passer à Reaper. C'est noté, j'ai bien noté, Verrez, vous avez gagné du temps, ça change la vie. Alors, juste une parenthèse pour vous dire qu'on proposera une masterclass ce jeudi dans le cadre de cette opération intitulée « Bien renvoyé », ou plutôt devrais-je dire, intitulée, alors je ne sais pas comment elle est intitulée, mais en tous les cas, on y parlera de logiciels libres est utilisé ou qui sont utilisés, on va les mettre au pluriel, en radio. Denis, je vais vous poser des questions très courtes, donc je veux des questions, des réponses courtes, extrêmement courtes. Le meilleur logiciel de montage selon vous ? Ben, moi, c'est Audacity aujourd'hui. Audacity, parfait. Ouais. Le meilleur micro à utiliser ? En reportage ou Ouais, reportage, ouais, sur le terrain. Le petit. Nous, on écrit soit du Beyer Dynamics, qui n'est pas le meilleur, mais qui est costaud. Ouais. Ou le petit Shure à main classique, quoi. J'ai oublié ça. 58, voilà, merci. Le meilleur enregistreur numérique. Tascam ou Zoom. La meilleure des consoles pour une utilisation dans un milieu, on va pas dire hostile, mais difficile.
La XB14 d'Alan Dils. Ouais. Un PC portable à nous conseiller ? Il y en a trop. Ils sont tous très bons. Moi, à partir de 700-800 euros, ça va. Une carte son ? Soit la petite Tascam, soit la Focusrite. Ou nous, en encodeur, je vais dire du Barix. Un dernier conseil pour bien utiliser, optimiser son home studio. Vous diriez, Denis ? Si j'étais néophyte, profane, débutant, et je viendrais vers vous et je vous dirais comment je fais pour utiliser. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Vous me répondriez ? Je dirais ne pas avoir peur, être patient, et il y a plein de tutos en ligne. Super, merci Denis. Valentin, j'ai écouté votre radio ce week-end. J'ai entendu un groupe corrézien, le groupe 3 Cafés Gourmands, ce qui est extraordinaire. J'ai entendu ça avec donc une forte assurance sur la chanson française. D'ailleurs, il me semble que je n'ai entendu que des titres français. Alors, j'ai beaucoup écouté de podcasts, je n'ai pas forcément écouté en direct, mais il y a eu des émissions avec des thématiques sur Halloween, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, comme je le disais en préambule, on va se séparer d'ici quelques secondes, mais vous êtes un îlot francophone dans un océan anglophone. Halifax, vous me corrigez, c'est la capitale de la Nouvelle-Écosse. C'est ça, c'est la capitale de la Nouvelle-Écosse, qui est la province la plus à l'est du Canada, et qui un fief historique acadien, donc anciennement une colonie française en Amérique, la première colonie française en fait en Amérique. Et du coup, il y a des Acadiens historiques qui sont toujours là et qui se battent pour garder le français. Et donc c'est ça toute la mission, et en tout cas le rôle d'un journaliste ici, c'est d'apporter de la nouvelle en français, et le rôle de notre radio, c'est d'apporter de la musique en français aussi, de la musique à la fois acadienne, mais à la fois d'Afrique, de toute la francophonie, en fait, finalement. D'accord. Est-ce que ça vous a pas effleuré l'esprit d'équiper certains habitants de l'Acadie, des Acadiens, de home studio pour qu'ils puissent vous renvoyer des sons ou des choses comme ça ? C'est une idée que je vous donne. Hein. Voilà, ils auraient peut-être des choses à dire. Exactement, on a plusieurs radios communautaires qui sont justement comme ça, souvent dans les écoles, qui sont dans les centres scolaires, ce qui sont un petit peu des forteresses francophones protégées, on va dire, parce que la loi canadienne permet de garder un système scolaire francophone, et donc on s'appuie là-dessus justement pour avoir ça. On n'est pas encore allé directement chez les gens, mais on a des projets où en fait maintenant les gens sont avec des iPads, c'est-à-dire que là on a un projet avec les aînés de la Nouvelle-Écosse par exemple, où les gens ont des iPads, on leur livre des iPads chez eux, et on se rejoint dans des conversations Zoom, qu'on enregistre en podcast et qu'on rediffuse après pour leur donner la parole à la fois en podcast et à la fois en ondes directement. Donc on essaie aussi de créer ces solutions-là à travers, voilà, en profitant de notre réseau 4G et Internet, chose qui n'est pas, qui est pas possible partout autour du monde, mais en tout cas, c'est un objectif pour nous. Ou avec de fortes disparités en fonction de la latitude. Oui, 98.ca, c'est l'adresse sur laquelle je me suis connecté pour entendre 98.5, basé à Halifax, donc la capitale de la Nouvelle-Écosse. Bon, Valentin, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez 2-3 idées à revendre, ce sera forcément avec plaisir. Denis Boisdevet, j'imagine que vous allez reprendre forcément et très bientôt la direction du continent africain. Absolument, je pars au Niger début décembre. Bon, bah écoutez, bon voyage, bon courage. Brian, il a déjà inauguré les nouveaux studios à Compiègne ? Absolument. On sera pas invité, enfin pas cette fois-ci, pas pour cette tranche-là, mais peut-être pour la prochaine, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Merci, Brian. Sympa, encore une fois, de nous avoir partagé tes idées et tes pistes. Et puis, Sidi Mohamed Diko, qui intervenait depuis... vous pouvez, si vous voulez... Nous verrons au mois de décembre, début décembre. Moi, je serai à Niamey le 3. À partir du 3, je serai à Niamey pour une formation de 10 jours. Bon, on se voit Studio Kalangou, alors. Bon, d'accord. Et Sidi, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Mali, depuis la capitale du Mali, Bamako. Merci à vous merci quatre. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vachement merci. Bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao. UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Live on connectonair.com and remote-radio-week.org. Connect on Air. UNESCO Remote Radio Week 2021.